Ok, je pense que ça commence. Ah oui, ok. Ben oui, c'est ça, c'est un peu n'importe quoi. Ok, c'est pas grave, ça arrive n'importe comment. C'est pas grave. Alors, pourquoi Socrate, Sherlock, Legout et la pieuvre? Ben, je veux dire la même chose que Frédéric, j'ai pondu ça à un moment donné parce que Justin me pressait. T'as pas envoyé ton titre encore, t'es la seule qui a rien envoyé. Puis j'ai pondu Socrate, Sherlock, Legout et la pieuvre. Socrate, j'imagine que ça dit que de pas aux gens, c'est un philosophe de l'Antiquité. Sherlock, c'est un détective. Et le philosophe Socrate, justement, il est auteur de la maïeutique qui dit que on veut sortir les connaissances ou ce que les gens savent intrinsèquement et aller penser fort. On veut accoucher. Lui, c'est ça qu'il disait. Les gens ont de quoi à l'intérieur. Ils ont des connaissances, puis il faut leur faire accoucher de ces connaissances-là. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et il y avait une anecdote avec un esclave, justement, où il part avec un carré comme ça, puis il dit « Dessine-moi un carré qui a l'air, le double de l'air de ce carré-là. » Alors, évidemment, l'esclave, c'est pas tout, il essaie plein d'affaires, il comprend pas. Et ça paraît pas vraiment pas comment que ça devrait paraître, c'est pas grave. Fait que là, éventuellement, pour faire un espèce de gros carré qu'on voit pas, mais un gros carré qui s'apparaît comme ça ici, et là, est-ce qu'il y en a qui ont une idée comment on pourrait faire un carré qui serait le double de l'air de celui qui est là ici? Oui, ah, il y en a qui c'est ça. Dans le fond, ben là, ça devrait apparaître. Là, c'est dans le fond, c'est d'utiliser les diagonales. Fait que là, nécessairement, le carré qui va être formé, le gros carré bleu, c'est ça. Ben, c'est ça, ça s'appelle des conflits cognitifs. Donc, les conflits cognitifs, c'est ce que j'essaie tout le temps de créer en classe. Donc, j'essaie, moi, mon but, c'est de ne pas donner du tout de cours théorique, à part pour le log et pour les radians. Par exemple, ils ont une forme de une forme canonique de racine carrée, je leur demande de trouver la règle avec un sommet et un point. Là, eux, ils arrivent, ils commencent, mettre en place par x, y, remplace le hk, puis là, ah merde, il y a deux variables inconnues. Le a puis le b, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, ça jase, ça essaye des affaires, ben des affaires. Puis à un moment donné, ben, il y en a qui vont dire, ah, mais je sais que c'est la réciproque de la racine carrée. Fait que là, eux, ils prennent les points inversés, puis là, ils trouvent la règle en degré 2, puis après ça, ils font la réciproque. Il y en a qui disent, ah, ben c'est ça, le B était de 1, donc je vais le mettre là. Ils trouvent une combinaison de A racine de B qui fonctionne. Il y en a qui disent, je vais m'arranger pour que l'extraction de la racine soit bonne. Fait que, hey, ça va vite, hein? Fait que, donc, ils sont capables, entre eux autres, de faire ça. Puis qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? On veut qu'ils déploient un raisonnement mathématique, ça c'est les critères de compétence, puis on veut qu'ils résolvent une situation problème. Mais souvent, s'ils font juste appliquer des recettes, on n'est pas en train de vraiment vérifier ça. Donc, pour favoriser ça, le conflit cognitif, c'est figurant. Et j'ai une anecdote. Montrer comment il est possible de mesurer la hauteur d'un immeuble à l'aide de baromètre. On a posé, c'était dans 1910, c'est un étudiant qui a posé ça au doctorat, il a dit, mon élève, il a répondu ça, il a répondu, on prend une corde avec le baromètre, on le fait descendre de l'édifice, puis on va mesurer la corde après, t'sais. Fait que là, c'est pas très physique. Fait que là, il a dit, OK, fait que là, il a dit, je te donne 10 minutes pour répondre à la question après. Puis là, il a dit, OK, on va le chronométrer, puis on va utiliser l'accélération gravitationnelle. On va juste simplement prendre un étalon de mesure, puis là, je vais monter à chaque fois, je vais faire des marques là, sur le puis je vais trouver la hauteur, je vais utiliser le pendule avec la formule du pendule, je vais utiliser les ombres, etc. Évidemment, la façon la plus simple, je vais aller voir le concierge, je vais dire, je vous donne ce beau baromètre-là, puis vous me dites la hauteur de votre édifice. Et ça, c'est Ernest Rutherford et Niels Bohr. C'est Niels Bohr qui était l'étudiant en question, puis il a juste dit, puis il a l'autre qui a dit, mais là, tu comprends que ce qu'il voulait, c'était avec la pression atmosphérique. Les différences de pression pour mesurer la hauteur. Puis lui, il a dit, oui, mais moi, je suis tanné qu'on me dise tout le temps comment penser. Fait qu'il dit, oui, je savais que c'était ça. Mais il dit, il y a mané, il faut pouvoir raisonner. Puis d'ailleurs, ouais, deux hommes prennent 2 heures pour creuser un trou de 2 mètres de profond. 10 ans prendront combien de temps pour creuser un trou de 10 mètres de profond? Je pose la question. Ça peut être beau en même temps. Pardon? Bon. Parce qu'il parle, c'est ça. Mais voilà, il faut se questionner. C'est quoi cette question-là? Tu sais, on ne sait même pas un, là, tu sais, ils sont 2 à creuser les trous. Là, les 10 autres vont se placer comment? Puis, même les 10 mètres de profond, c'est profond en maudit. Il va agrocher la terre, tu sais. Fait que, Mané, c'est pas aussi direct que ça. C'est pas juste purement mathématique. Mané, il faut se questionner un peu plus loin que juste la maudite phrase mathématique. Ce qui m'amène à l'évaluation, qu'est-ce qu'on cherche? Là, la personne est maganée, comme vous pouvez le voir. Fait que là, j'ai fait des premiers soins, etc. Et il y en a plusieurs ici qui sont là-dedans aussi. J'ai été adjointe médicale dans l'armée. Ça fait une des affaires, un peu des parcours hétéroclites que j'ai eu. Mais, tu sais, il y a plein de points qui vont faire. Mais, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui passe, selon vous? C'est sauver la vie?
Fait que, mais si on y va une affaire de point par point, ben sauver la vie, il faut que les voies respiratoires soient ouvertes, il faut qu'on puisse donner respiration artificielle, massage cardiaque, puisqu'il y a des affaires qui ont changé maintenant. Il y a plusieurs points qui font que ça va sauver la vie. Si on y va avec des points, 10, 20, 30, ben ça se peut qu'il n'y ait jamais ouvert les voies respiratoires, puis qu'il y ait 90% si on va avec une méthode de points. Ça ne marche pas ou pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que, hey, shit, j'ai passé tout droit mon truc d'évaluation, que je changeais toutes mes affaires d'évaluation, que j'essaie d'évaluer de façon vraiment plus critériée en observant. En observant à travers des tâches complexes, là j'avais une tâche complexe qui se faisait à destination de choix avec qui j'avais été aidée par Benoît Morin qui est là-bas. Hey, allô Benoît! On a fait ça au GRMS en fait. C'est très complexe, il fallait qu'il se trouve une destination en équipe. Puis là, je disais, si la Terre était parfaitement ronde, ça serait quoi la distance la plus courte? Hey, là, c'est du 3D, là, c'est dur là, pour eux autres. Bien, ils arrivent tout. Puis ils produisent, quand je parle d'évaluation, il y en a qui mettent des vidéos, il y en a qui se sont patentés des affaires, il y en a qui ont allé sur Internet, mais évidemment, il n'y a jamais la réponse telle quelle. Fait qu'il faut qu'ils travaillent, faut qu'ils raisonnent. Fait que la différenciation dans l'évaluation, ça veut aussi dire que ton mode de production peut être différent. T'sais. Tu peux mettre des vidéos, tu peux l'écrire, tu peux. Ça, c'est les Rolling Stones, c'est le goût. Maintenant, donc, pour le goût, c'est-à-dire quoi? Comment on va aller chercher la motivation chez les jeunes? Ça rejoint beaucoup ce que les autres ont dit, tu sais. Par diverses affaires, oui, c'est ça. Moi, j'utilise beaucoup l'humour. Des fois, je prends les élèves, puis là, je dis, là, j'avais inventé, c'est mes footballeurs, il faut se battre balai. Les M&M, ça, c'est des jus, ça, les activités de M&M, des gens ici. Là, j'ai pris une prof d'histoire des activités or, argent, bronze. Fait que là, à différents niveaux, je me rendais compte des fois que quand je donnais des activités en groupe, des fois, les tâches étaient trop complexes, puis il y en a qui étaient perdues. Le jeu. Ça, c'est parce qu'il fallait que je plug mon atelier. C'est ça que Justin m'avait dit. Donc ça, c'est mon atelier que je présente tantôt. J'ai fait un gros board game, mais pas dans le sens de B-O-R-E-D, c'est B-O-A-R-D. Hein? Je veux juste le spécifier parce que les élèves étaient quand même pas mal engagés là-dedans. D'ailleurs, il y en a qui me disaient « Madame, je suis venue aujourd'hui à l'école juste à cause du jeu de mathématiques. Puis, l'élapieuvre avec l'espèce de tête crazy, là. Parce que moi, dans ma tête, c'était l'analogie avec « je fais des millions d'affaires, puis se morceler en pleine affaire, puis qu'on peut aller, on peut go crazy avec ça. Mais non, parce qu'il y a la collaboration, comme il est où François Pomerleau, en tout cas. Fait que oui, qui appelle à l'action, je vous jure, j'ai pas parlé à Frédéric Ouellette, mais là, j'ai osé, j'ai dit, ah, c'est la même affaire que moi. L'appel à l'action, c'est oser des affaires différentes. En plus, c'était ce que notre directeur nous disait, c'était notre thème de la même année à l'école, puis les élèves. Ils l'ont ramassé en maudit, oser. Oui, des fois, ça se passe comme moi. J'ai des appels de parents, et là, c'est le pas enseigné, tout ça, vous enseignez pas. Mais bon, à un moment donné, ça finit par se tasser. Fait que des fois, oui, on a une espèce de confrontation, mais ça finit par se tasser. Puis les élèves finissent par aussi embarquer dans les méthodes où il n'y a pas le cours théorique, c'est ça. Voilà!